chiama Mon Garçon, con noi il regista. Ah, ma tu parli italiano? No, italiano. Ok, non niente italiano. Christian Carion e la scenarista, che è sua moglie tra l'altro, e si chiama, come vous appelez? Laure Irman, perfetto. Allora, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu de votre film? C'est splendide parce que ça laisse imaginer au public ce qu'il veut. Ah, alors je vais parler en français. Oui, en français, pour l'instant. Moi, je suis content que vous ayez remarqué que le film ne dit pas, laisse beaucoup de zones d'ombre. Et aujourd'hui, je trouve que ça devient un luxe dans le cinéma de laisser des zones d'ombre parce qu'on nous demande, enfin, les financiers demandent toujours à expliquer les choses. Ils ont peur que les gens ne comprennent pas. Or, il faut faire confiance à l'intelligence du public. Il a de l'imagination, beaucoup d'imagination, et il est capable de boucher les trous. C'est-à-dire que quand on ne lui donne pas de réponse, il en trouve. Et moi, je trouve qu'on a toujours intérêt à faire travailler l'imagination du public, en général. C'est ça. Ma la sceneggiatrice di questo bellissimo film è Laure Irman. E allora, ça vous a pris du temps laisser le public penser, ou c'était tout à coup? À l'écriture du scénario, en fait, un des moteurs puissants d'écriture, ça a été de surtout que Guillaume Canet ne sache jamais où on l'emmène. Qu'il ait la surprise de séquence en séquence, qu'il ne sache pas ce qui lui attend. Parce qu'on devait avoir sa réaction à vif, à chaud, à chaque fois. Donc, lui a réagi forcément par rapport à ce qu'on lui donnait. Et de par ce procédé, il y avait forcément des zones qui restaient dans l'ombre, et c'était ce concept. Est-ce que vous avez un fils? Oui. Et vous avez imaginé qu'est-ce qui pouvait arriver si, par hasard... Par malheur? Oui. Si par malheur? Ben oui, quand on est parents nous-mêmes, on s'est porté... sur une histoire de disparition d'enfants. Guillaume lui-même est papa, Guillaume. Et Mélanie, elle a un petit garçon aussi. Donc on était tous très dérangés par cette histoire. Et c'est pour ça qu'il fallait la faire. Bien, compliment parce que le film c'est splendide. Merci. Et appuntamento à tutti gli spettatori italiani al cinema appena arriva Mon Garçon. Merci à tous les deux. Merci. Grazie.